Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est lundi 1er mai 2023. Bienvenue dans le premier paraître journal TAC Info 509 sous Chanel Paula, tout haïtien connecté. Mais quelques principales titres n'abgé pour développer dans le journal là matin. Phénomène Boakale a continué à prendre territoire, population dans la commune Gromon, département Latibonite, Touye, puis Boulet, deux présumés bandits, samedi 29 avril. Individu, ça a fait partie groupe Kokorat Saras qui a opéré dans la région. Dans même journée samedi ça, il y a plusieurs habitants dans la commune Cabaret qui étaient près la rue dans l'idée pour aller traquer bandits dans la localité sous ce matin. D'après bilan partiel, il y a trois personnes qui victimes, parmi eux deux présumés bandits qui ont protesté. Selon Louis-Baptiste Kazek, premier section Boukassin, commune Cabaret. Il y a la police nationale d'Haïti qui a annoncé sous page officielle Facebook yo samedi 29 avril là, yo gagnon drone cap civé village de Dieu à Savonne Pistache qui trouvé une troisième circonscription Port-au-Prince. Gain plusieurs syndicats dans le secteur textile qui a annoncé une marche pacifique pour journée lundi 1er mai dans l'occasion journée fête agriculture et travail. Objectif marche ça, c'est pour continuer ma dépit bon conditions de travail, protection sociale et augmentation salaire. 44 mois après assassinat ancien bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince, dossier a toujours traîné dans tiroir la justice d'après dirigeant et Sikti Nonce Dorval là, maître Iswik Théophin qui dit regrette depuis après désignation juge Martel Jean-Claude pour capable instruire dossier ça aucun zac instruction pour composer dans cas d'assassinat ancien bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince maître Montferrier Dorval. Bête paysan yo ap tombé tan kou grain la pli nan zone Torbec yon commune nan département Sid Payan à cause maladie charbon. En pile bœuf déjà mouri nan circonstance sa d'après paysan yo ki rappelé épidémie sa paraît chaque fois mois mais pral rivé. Délai pour enregistrement l'école yo nan cadre recensement scolaire yo prolongé pour vendredi 12 mai ka vini la et puis inscription candidat examen 9e année fondamentale yo pour 15 mai d'après yon communiqué ministère éducation nationale ak formation professionnelle publié pendant weekend nan. Dans différents rubriques, nous avons gagné pour nous gagner toutes les informations sportives avec les collaborateurs. Nous avons Jonathan Charles et puis nous avons gagné pour nous aller dans diverses villes et provinces pour nous capables toujours porter pour vous information. C'est pour ça avec diverses les autres qui peuvent faire essentiel pour mes journaux la matin. Arrête de brancher. Nous allons retourner dans quelques secondes. Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Nous, pas besoin de suspendre tout ça. Toujours abonné avec Chanel là. Tac 509 sous différents réseaux, sous diverses plateformes, capable de continuer à abonner pour ne pas rater aucune information, puisque Tac 509 là pour capable de porter pour vous. Toute information, quel que soit ça qui a passé en Haïti, c'est sous réseau ça. Pour capable de gagner toute information. Journal TAC 509 rivé possible grâce à Clévé Campé, toute équipe, ça la nouvelle là. Coordination avec rédaction Josué Bellamo, micro-présentation Jean-Wilner Sévère. Bienvenue dans le développement journal. Yon l'autre fois, Jean nous t'ai annoncé ça dans titre journal là. Nous apprenons à diverses villes et provinces puisque nous connaissons depuis semaine passée, depuis après, ça qui est passé dans le canapé vert, côté que un paquet présumé bandit, ben, population yo te 14, population te rachi, puis mettez du feu sous yo. Ça t'est fait dans le canapé vert, mais ça tout, t'es une situation tension qui t'est gagné tout dans zone début si toujours, population dans deux zones ça yo qui t'est tout et puis boulé sous divers bandits qui t'est voulé si mais la trouble. Nous apprend direction Gromon, c'est même situation puisque population dans Gromon raché ak manchette et puis mettait difé sous deux présumés bandits. Phénomène Boakalea continue à prendre territoire, population sans pitié à habitants dans Gromon département Latibonite yo raché ak manchette et puis boulé des présumés bandits samedi 29 avril là. La police t'est fin arrêté de présumés bandits sa yo mette yo dans commissariat mais population dans Gromon rentré dans commissariat sur tout réseau social yo noté kawé action si là côté population tabat de présumés bandits ça yo touye et puis après ça mette du feu sous yo. Selon réaction certains citoyens population dit yo prêt pour yo capable mettre fin à phénomène insécurité. La police a souvent accompagné population manchette nan mais yo citoyen yo sermenté 77 fois 7 fois y a marché pour tout bandi cap simel la Pérez nan mitan population. Phénomène Boakale ça je noté tout ça tout à l'heure t'est lancé pour première fois dans zone Turjo canapé vert début si
Haïti. Plusieurs quartiers avec ville province rentrent dans le même mouvement. Ça, population dit Libouke a pas compté cadavre, puisque chaque fois, bandi yo prend quelques graines dans mitan yo ou qu'on ouais sur réseau social yo lorsque yo kidnappé yo a pas l'humain assiette plastique mettez sous yo y a battu en pile témoignage moun ki victime yo dit yo passe en pile trail monsieur Axam yo lorsque yo kidnappé yo c'est battu. C'est pas seulement dans gros monde gen situation ça tout gen dans même jour samedi ça gen plusieurs habitants dans commune Cabaret qui te prend la rue dans l'idée pour capable al traquer bandi yo dans localité Sousmat la semaine dernière nous connaît en pile habitants dans Sousmat la t'es obligé courir aller dans mairie à Kayaya à cause nèg exam qui te vinn attaquer yo te fait en pile victime mettez du feu dans kay ben dans représailles ben population dans commune Cabaret te prend la rien pour aller traquer bandi yo dans même localité ça qui c'est Sousmat là. D'après bilan partiel yo gagné 3 moun qui victime parmi yo gagné 2 présumés bandi ak yon protestataire selon Louis Baptiste Kazek premier section Boukassé commune Cabaret gagné plusieurs moun qui blessé ka recevoir soin ka yo mérité dans un centre hospitalier. Nous ap kite dossier sa yo chaque jour nous ap toujours gen nouvelles si Jean nous te dénoncé divers quartiers que ce soit dans région métropolitaine nan, que ce soit dans ville province moun yo di yo bouqué avec situation ça puisque pas ka régler activité yo en toute quiétude yo même yo décidé prendre destin yo men en dépit de intervention divers responsables dans l'état que ce soit premier ministre que ce soit directeur général PNH a toujours dit y a fait tout moyen possible y a prend toute disposition pour traquer bandi yo ça qui pas jamais fait puisque bandi yo toujours si qu'il est libre mais citoyen yo décidé mettre koyo dans la rue pour capable traquer bandi yo. Il y a diverses zones dans la région métropolitaine nan, que ce soit Delma, que ce soit Crissoy, que ce soit Canapiva, Pétionville et un bon parti dans bas Delma et ben chaque soir il y a une brigade qui a fait mettez barricade et diverses zones nous ka toujours plusieurs affiches côté que yo dit depuis le fait 7h nan soit depuis le fait 8h te pou pa moun zone nan pas sikile et soit sikile faut bat pour gagner moun nan zone nan. Tout ça c'est pour population capable contrecarrer action bandi yo. On nous parler l'autre dossier dans le journal la matin après nous fin bon diverses informations par rapport avec population qui prend des initiatives pour yo aller traquer bandi yo. Dossier éducation. Dans mois qui sont passés au ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, t'es demandé avec toute l'école pour être capable d'enregistrer. Enregistrement, t'es fait en ligne. Pour moun qui t'es dans la ville provinciale, yo t'as parlé dans le district, côté que yo yé, hein, pour être capable de faire enregistrement. Tout moun qui pat enregistré l'école, yo pas bien possibilité pour yo inscrit élève par yo dans examen 9e année fondamentale dans examen philo. Mais délai pour enregistrement l'école qui était debout vendredi 28 avril là, autorité éducative yo décidé prolonger délai ça. On nous bat plus d'informations sur ça. Je nous donne délai pour enregistrement l'école yo dans cadre recensement scolaire prolongé pour vendredi 12 mai qui a venir là. Pourtant inscription candidat examen 9e année pour 15 mai d'après un communiqué ministère éducation nationale et formation professionnelle. Ministère éducation nationale et formation professionnelle exprimer satisfaction et puis encourager réaction positive communauté éducative là spécialement directeur l'école qui était répondre en masse à la première opération recensement et scolaire en ligne yo ak inscription pour examen 9e année fondamentale malgré yo contexte difficile. Ministère a salué dévouement plusieurs responsables établissements et scolaires publics qui te prend disposition nécessaire dans l'idée pour respecter délai ministère te bail pour recensement scolaire yo qui te debout vendredi 28 avril là ak 9e année fondamentale qui te debout 7 mai k'ap vini là. Gagné 12 561 l'école qui fait déclaration l'école yo étape essentielle et puis obligatoire pour inscription élève dans examen officiel 9e année fondamentale à cause plusieurs documents qui nécessaires pour inscription en ligne yo responsable du ministère a décidé prolonger pour 12 mai 2023 délai pour déclaration l'école yo à lundi 15 mai pour inscription élève 9e année fondamentale.
Ministère a invité chef établissement scolaire qui peut faire ça pour commencer, faire ça et puis finaliser processus déclaration l'école en ligne avec inscription candidat pour examen 9e année fondamentale. Direction départementale éducation doit prendre toute disposition nécessaire dans l'idée pour accompagner directeur l'école concernée pour aboutir à coopération ça qui c'est un élément important pour une bonne gouvernance secteur éducatif. Là. C'est ça, nous capables en termes de formation concernant communiquer ça, responsable bio dans le ministère de l'éducation nationale sorti pour qui fait qu'on est yo prolongé délai pour toute l'école capable inscrit n'a pas rappelé Jean-Noël Sodzola déjà gagné 12 561 l'école qui fait déclaration l'école yo. L'autre dossier dans le journal là nous connaît 1er mai jeudi 1er mai marqué date fête agriculture et travail chaque fois date ça privé ouvrier dans secteur textile toujours lancé mouvement protestation qui gon époque notamment sous ancien président Jovenel Moïse, les conseils ont annoncé manifestation. À côté du secteur textile qui ont annoncé manifestation, à l'époque, opposition qui était gagné, nous connaissons ça, M. André Michel, qui était gagné ancien sénateur Nenel Kassi, Majorie Michel, ils ont annoncé mouvement protestation. Mais pour année ça, c'est le secteur textile qui a annoncé, ils apprennent la rien, toujours dans l'idée pour capable demander, puis bon conditions de travail, augmentation salaire. Nous connaissons réalité à déjà qui gagne dans le secteur textile, là, côté ouvrier, yo, y a travail dur, yo pas bien manger, gagne un pile monde qui a travaillé dans le secteur ça, qui toujours fait un pile maladie, gagne qui compte TB, y a fait journée, y a travail dur, yo pas manger, puisque ça y a balayé, même j'ai un syndicaliste dans le secteur a toujours l'île, salaire tuberculose. Ben, manifestation, mais gen manifestation qui lancé pour jodi an dans cadre journée fête agriculture ak travail. Plusieurs syndicats dans secteur textile annoncé yon marche pacifique journée lundi 1er mai en occasion journée travail ak agriculture. Objectif marche ça, c'est pour continuer mandé puis bon conditions travail, protection sociale ak augmentation salaire. Et c'est pour l'occasion tout pour porter solidarité yo bay enseignant yo qui lancé grève depuis semaine passée pour mandé puis bon conditions travail. Jodi a fait troisième semaine depuis enseignant yo te lancé grève pour capable mandé puis bon conditions de travail. Même si ministre éducation nationale là nan yon message vocal qui était sur tout réseau social yo, il te dit et puis après ça il te vient annoncer tout tout professeur, tout enseignant yo déjà touché moi masse. Cependant, enseignant qui pas joindre chèque yo, c'est enseignant d'après ministre là qui pas venu dans salle de classe. Gen syndicaliste Josué Merilly à titre de rappel qui demandait avec ministre faut qu'il paye enseignant qui gen difficulté pour aller dans salle de classe parce que on connaît phénomène de sécurité. Andi gen des enseignants qui était habité dans capitale ou était habité dans commune Pétionville. Yo gen difficulté pour y aller dans un lycée qui dans zone par exemple qui à Kayak cabaret parce que gen enseignant qui a enseigner cours que ce soit dans l'école l'état dans capitale là mais tout dans quelques villes provinces. Mais syndical Josué Merilly fait plaidoyer pour demander avec ministre éducation nationale là gagne une considération spéciale pour enseignant ça yo. Mais d'après ministre là li kembe tout chèque enseignant qui pas présent dans salle de classe. Sous même dossier ça Jean-Noël Doulan mais gagne mouvement protestation qui lancé jodi en 1er mai est-ce que y a gagne ouvrier nous pas connaît nous a pas présent taxe 509 a présent pour capable porter tout détail dans cadre mouvement ça mais on permet au côté Dominique Saint-Éloi qui c'est une responsable CNOA qui mandé avec tout ouvrier pour capable présent jodi devant Sonapi et yo mandé tout pour capable présent tout dans Wanamet pour capable mandé puis bon condition de travail et pour capable mandé ajustement salaire en côté Dominique Saint-Éloi dans micro TAC 509. En monde là, nous-mêmes à travers PNOA, OAM, avec alliés nous, affiliés nous, juste ça va passer sous silence. C'est peut-être ça, PNOA, OAM, René, qui n'en notait, nous baillons tout ouvrier rendez-vous le 1er mai 2023 devant parc industriel Sonapia, qui c'est une zone stratégique et c'est zone basse. L'exploitation classe ouvrière dans le pays pour venir mobiliser, nous prenons manifester et CNOA ou AM Sorene, nous exiger 2000 gouttes comme salaire minimum avec accompagnement social. Et puis, il faut que l'État soit capable de camper, presser sous la loi 3-8 là, qui n'a pas d'intérêt de travailler. Pour l'île sociale de travailler, nous gagnons un gouvernement.
gouvernement qui là qui sont gouvernement de facto qui voulait travailler dans farine chaque moment yo di a ba yo accompagnement social c'est comme quoi yo ou les syndicats yo ou les ouvriers dans farine yo pas répondre avec ça yo di a faire yo attend ça vient rendre que tout nous vienne passer pour complice gouvernement tandis que nous pas dans tête langue avec gouvernement Ariel Henry a. Parce que gouvernement ça pas un gouvernement qui reflétait les revendications ouvriers. C'est peut-être ça, nous demandons toi un accompagnement social en permanence à disposition ouvrier. Mais c'est Pierre Ricotne qui est un menteur, qui est un bluffeur, un mafia, qui est ouvrier ou menti, qui est contagé. Il y a 1 milliard, plus que 500 millions de gouttes qui sont à disposition ouvrier. Jusqu'à présent, M. Payan dit, il y a un mot, et le syndicat est contagé. Il a mis deux chutes avec le directeur Fayez, qui est comme ça. Non, mais il a mis deux chutes avec le directeur ONA. 1 milliard 300 000 gouttes, 300 millions de gouttes que M. Pierre Coudné qui a loué à disposition. Oui. Et comme ça, c'est pas le gouvernement qui a bâché. C'est FMI dans cette subvention d'Asa qui a mis à disposition de travailler. Pierre Coudné a fait Mahona. Nous avons quoi côté la fait à Cobla. Nous demandons tout ouvrier, rendez-vous à place. Devant son avis, nous pas manifester et tout, nous allons connaître qui côté comme cotisation nous en passé. Les noms baillés dans Ona, pas trop pas baillé et les Cobla tombés dans Ona. Yo Cobla allé dans le Parlement haïtien. À l'époque, là, je parle dans la tête plate, dans le palais national, libre avec patron, qui a piqué une grosse maison machine, mais ça a fait automobile. Donc, ça veut dire que là, la LAOB, c'est 25 000 gouttes. Donc, 15 000 gouttes, comme si, pomme prêt sous cotisation, ils ne sont pas capables de joindre. Au travail, ils ne sont pas bénéficiés de services au NAYO. Travailler, ils ne sont pas bénéficiés de services au FAT NAYO. C'est ça qui fait nous perdre Sandra René, nous perdre Lunel Pierre, et nous comprendre l'autre ouvrier que nous perdons. Et cette fois-ci, on a demandé tout avec la police nationale d'Haïti. Le 1er mai 2023, vient accompagner ouvrier, pour avoir sécurité, pour empêcher infiltration, pour qu'on va habiller avec machine pour police qui marque sans plaque, sans rien sur yo, mais habillé, mettez cagoulé, mettez pieds chaussettes dans la tête, yo, pour pas venir tirer sur ouvrier. Nous demandons à tout ouvrier, yo, tout en parler de camping, situation n'a pas changé. Donc, vie sociale ouvrier aujourd'hui, lui passer à la grabat. Nous gagnons, ça y est, un taux d'inflation qui monte plus que 50%. Yon plaque manger le matin, vendre plus que 200 gouttes. Yon jip ou 100 gouttes. À partir de midi, yon plaque manger vendre 300 gouttes pour yon ouvrier manger. Et yon jip ou 150 gouttes. Ça veut dire, vie ouvrier, pas revient à quand rien. Et 685 gouttes là, pas qu'à faire rien pour ouvrir. Nous m'en avec un agent de sécurité, mon cap travail qu'à mon yo. Tout le monde, tout ouvrier factory, rendez-vous par l'autre côté. L'idée devant son appui avec la zone Kafou Boulot, dans Waname, le 1er mai 2025. L'autre dossier dans le journal là, gagné. Dossier justice, nous parlons pas les dossiers assassinat ancien bâtonnier Lord Avocat Porto-Précio, maître Montferrier d'Orval. 28 avril qui saute passé là, fait 44 mois depuis, individu examiné assassiné ancien bâtonnier Lord Avocat Porto-Précio, maître Montferrier d'Orval. L'assassinat Sazak, ça a été fait dans la cour Lakali, dans le périmètre Lakali, dans Pèlerin, commune Pétionville, dans date 28 août 2020. 44 mois après, dossier a toujours traîné dans tiroir la justice d'après dirigeant Sictinoussé d'Orval là, maître Iswik Théophin qui dit le regrette depuis après désignation juge Martel Jean-Claude aucun zac instruction pour composer dans dossier ça. Maître Iswik Théophin longé doit lire sous diverses personnalités clés sous dans cadre assassinat ça personnalité ça a quitté sous administration ses président Jovenel Moïse là qui d'après maître Iswik Théophin t'a impliqué dans assassinat Batounia. Alors que présumé coupable ça a toujours flâné dans la rue sans qu'elle saute. Ancienne première dame Martine Moïse, c'est une parmi personnalités ça d'après homme de loi qui encourageait la justice pour capable attendre ancienne première dame. En côté Iswik Théophin pour plus de détails dans micro Josué Belamont. Depuis assassinat ça, dossier ça fait objet de toute forme de péripéties devant la justice haïtienne. À plusieurs reprises, ils ont tenté pour voler bien. Dans un moment, ils ont volé tout dossier, mais avec insistance, nous-mêmes dans le soutien, nous c'est d'Orval. Au niveau Barreau de Port-au-Prince et la Fédération des Barreaux, eh bien, nous sommes arrivés à reconstituer le dossier ça. Nous connaissons plusieurs juges qui passaient déjà sous dossier ça. Souti, sous Renaud Régis, passé par Loubens Élysée. Et je dis, avec insistance,
avec mouvement que nous menons auprès des autorités judiciaires, nous désigner un nouveau juge suite avec requête nous avons adressé avec doyen Bernard Saint-Ville. Eh bien, je dis à gagner juge Martel Jean-Claude qui désigné pour mener instruction sur le dossier ça. Mais nous, Martel Jean-Claude gagné pratiquement un mois depuis le désigné et pour que jamais gagné un acte d'instruction qui posait dans le cadre du dossier ça. Et récemment, nous avons organisé une conférence pour nous dire l'opinion publique là. Et lancer un appel auprès des autorités responsables pour nous dire faut qu'ils octroyer moyens suffisants et nécessaires avec juge ça qui c'est Martel Jean-Claude pour capable mener dossier ça à bon port pour permettre d'identifier autant matériel, autant intellectuel, complices de loin et de près qui impliqués dans quatre dossiers ça. N'a rappelé pour l'opinion publique, eh bien dans quatre dossiers ça. Eh bien, tu as gagné l'ancien président Jovenel Moïse qui t'a fait une fameuse déclaration sur une station sœur. Côté que tu as déclaré, bâtonnier Monferrier d'Orval t'a assassiné à 10h13, à 10h15. Madame Limatine Moïse t'a déjà communiqué la vidéo. Ça. Eh bien, nous-mêmes, avocats, c'est là ça nous avons au courant à qui date précise, exacte, bâtonnier Monferrier d'Orval t'a assassiné. Par rapport avec une telle déclaration, nous estimons que Martine Moïse est un monde qui est extrêmement important pour la justice par le fait que l'IT est censé live en vivo au moment des perpétrations des crimes abominables. Si dans un intervalle de 2 minutes, il y a une vidéo, il y a communiqué vidéo avec Marine qui était président d'alors, eh bien, c'est un monde qui gagne en pile information pour le tabac et la justice. Dans le cadre de dossier ça, dans le cadre de dossier ça, il y a deux auteurs matériels que la justice appréhendait, qui c'est Dunez Wilpik et Mackinder Fizene. Dunez Wilpik, qui s'alteye pour Martin Moïse, chauffeur Martin Moïse. Qui ça, Mackinder Fizene, non Mackinder Fizene, qui était chauffeur Martin Moïse. Dinez Wilpik, c'était bras politique Martin Moïse. Qui bon Dinez Wilpik qui travaille dans le palais national? Qui bon Mackinder Fizene qui travaille dans le ministère? Qui ça y a été joué sous Yun Lande Mounsayo? Yo joué un sim téléphone bâtonnier en poche Yun Lande auteur matériel ça y a. Maître Issouik Théophin, yon avocat cap défense, secrétaire général Fédération Barreau d'Haïti, Maître Robinson Pierre, lui qui fermait dans le pénitencier national pour présumer implication dans le trafic d'armes et munitions, dénoncé cabinet d'instruction et direction centrale police judiciaire. Façon, il n'y a pas instruit dossier ça. D'après eux-mêmes, ben, ils ont violé principe droit qui dit instruction doit rester secret. Maître Issouik Théophin, vous jetez ensemble révélation qui n'est rapport de CPJA, comme quoi Maître Robinson Pierre, lui, te recevoir son compte l'argent corruption pendant le dénoncé manœuvre qu'a fait pour continuer Kembe secrétaire général, bah, au lot d'avocat Port-au-Prince dans prison pour dossier si là. On peut mettre au côté une autre intervention, mettre Issouik Kate au fait toujours dans le micro, José Belamou. Il y a gagné un désordre qui a fait dans le dossier ça. Nous estimons qu'il faut que nous mettions l'opinion publique au courant des désordres ça. Désordres ça, c'est qui est-ce qu'a fait? C'est les juges d'instruction et les responsables des directions centrales de la police judiciaire qui sont DCPJ. Quand ils ont violé un principe cardinal en droit, qui c'est le principe du secret de l'instruction. L'idée droit que l'instruction est secrète. Eh bien, dans le cadre de ce M. Robinson Pierre Louis, l'instruction est ouverte et publique. Pour qui ça nous dit ça? Dans le cadre d'instruction dossier ça, un, juge d'instruction, violer un principe qui c'est le principe de protection la liberté individuelle et de l'instruction. Côté que, il y a un rapport qui vient de joindre. Il y a gagné un intervalle bien déterminé pour mener l'instruction. Eh bien, il retourne le rapport à la DCPJ.
bien entendu, il dit que ce n'est pas commission rogatoire. Non, ce n'est pas commission rogatoire, c'est bien entendu. C'est plutôt pas délégation. Il faut demander des CPJ pour approfondir l'enquête là. Il y a une enquête qui fait pas des CPJ et que vous retournez dans des CPJ pendant que vous menez l'instruction, eh bien, mes courriers et instructions ont gagné dans la rue. Côté que c'est dans l'opinion publique. Nous tendons dire que M. Robinson Diallo a recevoir plusieurs virements sous compte, il a recevoir plusieurs échecs, il a gagné et il a questionné de X, il a questionné de Y dans le CPJ. N'a dit pour l'opinion publique nationale et internationale. Au moment de l'audition de M. Robinson Diallo dans le CPJ, toute question nous tendons dans l'opinion publique, il a dit, il a demandé est-ce qu'elle a reçu voir comme, est-ce qu'elle a le port de paix, est-ce qu'elle a fait transaction X, est-ce qu'elle a fait transaction Y. C'est menti, il n'a pas jamais posé aucune question dans la question sérieuse. Seulement, il a posé des questions, il a dit, il est impliqué dans la corruption. Et il est dérivé dans le CPJ. Il a fait précision pour agent de CPJ, parce qu'il a manqué, outillé sur le plan juridique et judiciaire, sur le plan technique et scientifique. Il a dit, là, on parle de corruption, il faut gagner des transactions irrégulières qui font entre corrompus et corrupteurs. Si on parle de corruption, pas de transactions irrégulières, ça veut dire pas de corruption. Il a dit, il faut que nous disions qui t'a brassé. C'est dans le moment où il était constitué comme avocat, conjointement avec M. Michel Blanc, et il a gagné un transfert de $500 américains. M. Michel Blanc a transféré balai et il a fait preuve, pas devant des CPJ, il a fait preuve, pas devant le cabinet d'instruction, côté que il a recevoir seulement $500 américains dans le cadre d'exercice professionnel comme avocat, comme salaire, comme honoraire. Eh bien, je dis, à nous tendre, il a dit recevoir $200,000 américains. Eh bien, a dit pour la presse nationale et internationale. Eh bien, mais canet en goutte, M. Robinson Diallo. Livré en goutte, il a gagné seulement 47,000 gouttes. 47,000 gouttes livré en goutte, M. Robinson Diallo a gagné. Elle était actualisée, livré ça. Avant arrestation, parce qu'il a fait une demande de visa. Mais quand est en dollar? Quand est en dollar, il a gagné seulement $11,000 américains. Cependant, il a dit qu'il a recevoir des virements. Quand des virements de $100,000 passé? Sous qui compte il a fait? Et comme ça, il a gagné, avant de arrêter, il a recevoir des chèques de direction de la part de deux études notariales. Yon nan étudiant c'est Carrefour, l'autre là c'est et tabac. Côté que li touche frais honoré avocat nan des dossiers il t'a traité. Yo fait comprendre li ta la banque li ta retiré comme. Ça c'est dans l'opinion publique oui, DCPJ oui qui a des questions bagage ça aux doux mettre là. Qu'a formaté et question ça. On ta la banque li ta retiré comme et bien c'est en fonction des comme li te recevoir dans virement yo te fait couler. Yo pas arrivé, yo pas dit mais qui compte, mais qui numéro compte qui te fait virement pour lui, mais qui l'aide de recevoir virement et mais qui quantité comme il était dans chaque virement yo. Parce que yo ouais seulement te gagne des transactions, yo ouais seulement gagne des transactions qui fait sous compte lui et bien yo déjà assimilé comme un cas de corruption. Mais mes amis, est-ce que nous capables prendre une institution pour nous régler des activités politiques pour nous détruire un jeune garçon qui construit carrière comme avocat qui fait non en dans société a petite malheureuse malheureuse petite soyette qui construit une notoriété en dans société a et bien yo formaté yo complot de toutes pièces pour que yo détruit Maître Robinson Diallo. Voilà, au top côté, M. Issoui, qui a été offert sous des dossiers, dans le premier temps, qui était parlé concernant assassinat ancien bâtonnier, l'ordre d'avocat Port-au-Prince, M. Monfigure d'Orval, qui était parlé tout sous dossier, secrétaire général Fédération Barreau d'Haïti, M. Robinson Diallo. Nous avons toujours été dans le cadre dossier la justice, mais fois ça, nous parler avec réaction qui toujours a tombé bon côté, divers secteurs dans la vie nationale, notamment sous rapport CSPJ concernant divers juges qui
pas certifié jusqu'à journée aujourd'hui, malgré voix qui levait dans la société à pour demander avec autorité au ministère de la justice ou bien pouvoir en place là pour capable faire suivi avec l'ISLA, commissaire gouvernement qui pas certifié jusqu'à pas certifié toujours là, eh ben, ministère justice pour qu'on j'aime faire suivi avec yo. Dans le cadre de réaction qui fait sous dossier ça, il y a un donateur général, réseau national Cap Défendre Droit Mounio, qui critiquait ministère justice qui jusqu'à présent pas fait suivi à quel lice magistrat CSPJ pas certifié yo. Pierre Espérance qualifié grave réunion qui était faite entre yon ensemble association magistrat pour voir en place là pour défenseur droit mounan si yon pas mette en application rapport CSPJ hein, et bien institution pas besoin exister encore. En côté Pierre Espérance dans Mikotak 509. 16 janvier, 16 février, fait un mois, 16 mars, 16 avril, et 3 mois, bientôt 4 mois, jusqu'au moment que n'a pas parlé là. Ministère de la Justice toujours quitté commissaire gouvernement qui pas certifié en appellation parce que c'est bois droit équipe qui sous pouvoir oui. Et yo très confortable avec magistrat qui corrompu, magistrat qui a plagué bandit, magistrat qui joue un rôle extrêmement important dans Kembe et sécurité qu'on gagne journée aujourd'hui. Donc nous déplorons ça. CSPJA, c'est organe indépendant pouvoir judiciaire. Et par aucun côté ça écrit, les CSPJ a fin et sanctionné un magistrat ou bien magistrat pas certifié et moun qui n'a pouvoir soit premier ministre ou bien si bien président est capable de questionner des décisions CSPJ. C'est extrêmement grave et nous déplorons et semaine qui se passe là, il y a deux associations magistrat qui a participé dans la réunion et avec le premier ministre de facto, côté qui a mis en question et mon gouvernement, il a mis en question et décision CSPJ. Et magistrat n'a pas dû participer dans la réunion sur la question certification hein, et il n'a pas capable de prétexte tout, il n'a pas de agenda réunion parce qu'il n'a pas capable de inviter dans la réunion sans pas connaître agenda. Et nous féliciter Anama, Association nationale magistrat qui pas participer dans magistrat et réunion ça. Ça son bagage qui est extrêmement grave. Ça et si et docteur Ariel Henry avec équipe lui accord 21 décembre 2022 a pas exigé pour et docteur Ariel Henry ministre justice là et appliquer décision mettre en application décision CSPJ mais CSPJ a pas de raison pour là. Et les ça nous pas capable même parler de certification. Donc son bagage est extrêmement grave et on l'autre fois encore ça montre qu'on paquet de monde qui aille là qui était dans la rue qui t'a mais qui était du conservateur yo besoin pour institution capable indépendante qui capable faire travail yo journée aujourd'hui c'est eux même qui a cautionné tout dérive ça yo n'a pas justice ça et c'est ça faire ou après magistrat qui compétent yo qui travaille yo il a découragé yo pour pas rester dans système là et grand pile menace qui pendier et sous et la vie yo. Donc même nous dit et m'a parlé magistrat qui honnête yo et moi même ou bien magistrat capable dire que société a connaît qui par exemple fait objet de aucun scandale. Nous condamnons comportement et CS comportement et équipe qui sous pouvoir et nous dénoncer association magistrat qui dans non réunion avec docteur Ariel Henry pour mettre en question une décision CSPJ prend ça inacceptable, il pas droit dans réunion ça. Défenseur doit mounan dénoncer ensemble menace li dit magistrat qui honnête yop si bien ba men quelques membres dans pouvoir en place là ça qui d'après lui empêcher yo travail Jean la loi dit ça. Pierre Espérance quoi pas de gain débat sur rapport commission certification si on signal qui montrait à clair yo voulait passer système justice en bas pied dans l'idée pour capable continuer que corruption avec impunité dans pays. En côté une autre fois Pierre Espérance toujours dans le micro TAC 509. Son bagage est extrêmement grave et on l'autre fois encore, ça montre qu'il y a un paquet de monde qui aille là, qui était dans la rue, qui était debout, mais qui était du conservateur, il y a besoin pour institution capable indépendante, qui est capable de faire travail. Journée aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui a cautionné tout dérive ça, dans l'appareil justice ça. Et c'est ça que fait, ou après, magistrat qui est compétent, qui a travaillé, il a découragé pour ne pas arrêter dans le système et il y a pile menace
qui pendye et sous et la vie. Donc nous même nous dit et m'a parlé magistrat qui honnête yo. Et moi même et ou bien magistrat on capable dire que société a connaît qui par jamais fait objet de aucun scandale. C'est ça la loi dit parce que il paraît que Mathieu là t'a dit que processus là t'a gain faille. Non, tout ça au dit hein. Et c'est pas ça du tout comme si mais ça passe. Ou bon équipe mon équipe et monde qui pas respecter la loi qui pensait que yo capable faire ça ou voulez dans pays ya, et yo pas respecter institution yo. Pas une institution pas fait blessé pas aucun travail qu'on fait qui pas gain faille là dedans et la gain faille et mais kounya yo même tout dans niveau pouvoir et est-ce que yo délivré est-ce que yo travaille dans interprétation non. Et qui est-ce qu'on y a qui institution de contrôle qui gagne pour évaluer le travail qui fait? Aucun. Ça veut dire, moun sa ou senti au bon pouvoir et yon même a questionné une décision et yon pouvoir qui est indépendant. C'est pas bon débat dans sens ça, question, certification, gen faille ou bien pas gen faille. C'est pas ça important. CSPJ a ses organes indépendants pour voir judiciaire. Et cette commission certification a dit qu'il y a pour le monter. Et il y a un représentant tout le ministère de la justice à Dan. Qui donc, pas aucune raison et pas de justification du tout pour ça faire là. Et c'est parce que tout simplement il y a passé ce pouvoir judiciaire en papier pour qu'il y ait corruption, pour qu'il y ait banalisation de la vie monde, dans qu'il y ait des magistrats corrompus dans le système qui peut avoir une sécurité d'État qui est aujourd'hui. Nous lisons et nous tendons, nous parlons avec des gens qui sont dans ANAMA, Association nationale magistrats haïtiens, qui dit qu'il y a des juges qui, dans le système, qui fait preuve dans le système, qui par exemple fait objet de scandale. Parmi les juges Morin qui ont une pile menace sous vie parce qu'il a traité des dossiers des gens qui sont intouchables dans la société et qui pouvoir en place à soutenir. Nous avons toujours été sous même dossier ça, mais fois ça nous parle avec Maître Mario Joseph, toujours sous même dossier ça, qui a préagi. Dirigeant BA ayant dénoncé comportement gouvernement qui a craché sous travail pouvoir judiciaire, l'EO, décidé par faire suivi sous dossier certification juge. D'après Maître Mario Joseph, gouvernement fait silence sous dossier ça, dans objectif pour protéger juge équipe tête calée troisième version. Gain unité élite avocat engagé pour restauration. État de droit en Haïti qui mandé à conseil CPI pouvoir judiciaire pour faire travail sans parti pris pour mettre France Jules c'est juge qui rend situation pays arrivé dans niveau ça à cause de tabène corruption homme de loi mandé à CSPJ pour réévaluer rapport qui était fait dans l'idée pour pas faire habit à quelques juges qui d'après Esictien qui honnête. En côté maître François Jules qui c'est secrétaire général, il était l'élite avocat engagé pour restauration état de droit en Haïti dans Mikota 509. Des juges, écoutez qu'on répète déjà et n'a continué à répéter et c'est eux qui responsable situation ça dans le pays d'Haïti. Parce que il y a un pile juge, ils ont corrompu et ça sont vérité faut dire et faut continuer à dire parce que il y a des juges qui n'ont pas directement nommé parents monde qui dans prison. Il y a des juges qui acceptaient pendant n'a gain 12 ans, 13 ans dans même il pas jamais les nègres là devant et son raison son technique qui ont développé là qui était moun sa yo pas relé yo pas tendé yo et bien c'est pour capable prendre l'argent lorsque parent gè corps pour pas remporter l'argent ba yo si parent pas porte l'argent yo pas libérer moun sa yo tout si parent pas porte l'argent yo pas tendé moun sa yo mais tout n'a profité dit CSPJ c'est droit parce que c'est la loi qui permet pour faire travail yo mais faut que yo faire travail là de manière sine ira et illégale faut faire bataille ça sans parti pris faut faire bataille ça sans parti pris. Parce que nous, avec des juges, nous connaissons qui corrompus, CSPJ pas venu sur eux. Si vous avez pour vous, il faut que pour l'autre. Et dans ce sens, nous avons demandé à acteur CSPJ, il ne faut pas profiter de faire mon habit tout, parce que leur petit problème personnel. Nous battons bravo pour eux, pour bataille qui a mené, mais nous faisons faire tout de manière, sine ira et inlégué, sans parti pris, parce que si le pays a retrouvé le côté là, la justice, premier responsable, juge, commissaire gouvernement, juge d'instruction, juge de siège, yo responsable des situations catastrophiques ça. Bon, normalement nous connaissons des failles. Parce que travail yon humé par d'autres parties qui ne connaissent pas. Des failles. Parce que nous connaissons des juges qui font recours. Il y a des juges qui demandent à CSPJ réanalyser Kayo. Il y a des juges tout qui demandent à Ariel Henry pour pencher sous Kayo, qui demandent à ministre justice tout pour pencher sous Kayo parce que yo estime que yo victime de méchanceté CSPJ. Mais dans ce sens, tout,
si CSPJ tout gagne des juges, nous connaissons qui très corrompus. Et je dis à tout, faut la presse pas bailler juste ça en parler. Parce que il y a des juges qui corrompus, il y a des juges, c'est boutique qui fait justice à tourner. Des juges qui fait justice à tourner, boutique, marché, marché Kwabosal, marché Livana, marché Pétionville, et bien juste ça pas qu'à retourner dans le système là encore. Eh bien, n'a pas demandé CSPJ, il est capable toujours réanalyser le travail là. Faut pas trop coûter orgueil, donc à réanalyser le travail là, mettez juge devant des faits accomplis, lorsque juge qui est en avant là, juge qui est en après comble, mais justiciable. Juge qui corrompit, mettez au devant des faits accomplis. Mais l'autre juge corrompit tout, si il corrompit, il est corrupteur. Donc il faut que corrupteur ça autour, il faut que le poursuivre, soit poursuivre corruption, il faut poursuivre corrupteur autour. Et là, c'est ça, nous avons demandé au Premier ministre Ariel Henry, nous avons demandé au ministère de la Justice, pressé, il faut que vous décidez sur ça, parce que le peuple a attend la justice, il faut les porter, et ça fait tout nous-mêmes. Non, unité d'élite, nous demandons une réforme sur la justice haïtienne parce que la Constitution prévoit la séparation des pouvoirs. Dossier sécurité, réaction, nous avons retourné avec Pierre Espérance, mais fois ça c'est sous sécurité et sous un mouvement qui lancé, un mouvement population lancé pour capable de traquer Bandio. Coordonnateur général, réseau national Cap Défend, doit Mounio dresser un tableau noir coulant sous situation sécurité pays. Pour Pierre Espérance, population Cap baye tête aux justice, c'est suite à la déclaration ministre justice là qui demandait pour peuple à défendre tête yo. Défenseur doit mounan faire plaidoyer pour renforcer institution yo. En côté Pierre Espérance pour plus de détails. Bon, n'a sur et situation pays a calamité peuple haïtien a passé et n'a sur et nous partager d'où les populations hein. Et ça qui a passé dans le pays, et côté que le monde n'a pas vivre, insécurité d'État, kidnapping, policiers ont mouru, bandits ont raché policiers, bandits ont décapité les gens, ils ont fait ça au vle, ils ont occupé toute la zone métropolitaine, ils ont kidnappé les vle, ils ont bloqué la rue les vle, avec complicité de l'autre élément dans la police, avec complicité de l'autorité dans le niveau dans l'État. N'a pas vu, ça a gagné. Et c'est dans le mois de mars là, et actuel ministre justice là, dans une note qu'elle a fait sortir, il dit que c'est pour la population à défendre tête li. Défendre tête li. Ça veut dire, ça moun y a fait là, c'est l'autorité qui te lance. Qui fait que yo même yo montré que yo failli avec mission yo, et yo exposé la population avec une insécurité côté par la vie. Et en pays. Et nous-mêmes, nous pour renforcement institution, nous pour un pays qui chita sous état de droit, nous contre impunité, nous contre banalisation de la vie monde, nous croyons dans l'institution, nous t'arrêtons dans le pays, nous, côté que nous jouons la police, nous jouons moyen pour faire travail, côté que les policiers ont respecté. Et règlement la police en même temps tout yo pas victime parce qu'il a fait travail yo même gens tout population et ta dû vaquer avec et occupation qui ça n'a vu journée aujourd'hui c'est parce que autorité yo et yo démissionné c'est parce que yo failli à mission yo et c'est parce que tout n'a failli à mission yo prend route impunité a yo prend route corruption yo prend route banalisation la vie monde nan et pas renforcer institution yo nan bay gang yo espace et pour nous faire ça revenir garder gens pouvoir en place à mettre la justice à genoux l'or point la justice ou mettre dans l'état ça comment magistrat qui honnête dans système nan absenti et yo capable faire travail yo l'or point la police ou mettre dans l'état ça policier yo pas année et depuis 2018, ou gen en moyenne 45 policiers qui mourent chaque année. Alors que avant 2018, ou gen 12 à 13 policiers nou yo et yo exposé et gen des policiers qui là qui veulent garantir sécurité population. Yo victime chaque jour en bas mes bandits et yo les yo victime nan kat travail yo. Yo pa pran soin yo pa ba yo soin son situation qui chaotique que n'a vive là côté ou gen des moun qui là
une mission première autorité, c'est travail pour renforcer l'institution, c'est protéger vie avec bien. Ou imaginons un instant que ou une police qui a un backup autorité étatique, autorité politique dans l'État, et bien la police a, ou t'as pour un engouement, j'en ai encouragement pour faire travail, et de ça, les policiers ne sont pas exposés et comme ça, et avec gang. Qui sont les gens? Ou bien un pays depuis 2018, côté que de façon accélérée, pays a gangsterisé. Les gangsterisés, c'est par rapport avec le dossier Petro-Caribé. En 2018, les Haïtiens ont découvert que le régime PHTK volait l'argent Petro-Caribé. Qui sa équipe qui sous pouvoir à Baou, Livin Baou, gangsterisation pays avec un massacre en série, massacre sous massacre dans le quartier défavorisé, yo armé bandit. Et zam, Haïti va faire zam avec munitions. Si bandi capable de gros zam sa yo, c'est l'État qui fait bandi yo jeune zam yo, parce que yo pas contrôlé port avec frontière yo. Qui donc, c'est ça que fait jouni jodi an, population li pa ni aux abois. Population pas capable encore. Li bouke li fatigué, nous voulons une société qui chita sur l'état des droits. Nous voulons pour policiers nous, les a fait travail et que autorité protéger pour ne pas victime. Nous voulons population jouer une sécurité et sécurité. Ça capable arriver dans toute société a toujours gagné et dans tout pays a toujours gagné sécurité, mais c'est les gagné sécurité et puis où est que bourreau yo poursuivre. Jodi a en Haïti, moun ki implike nan massacre nan quartier défavorisé, ki te occupé gros fonction dans l'état et que et ki rapport sorti ki montre implication nan crime, et ben y a circulé nan machine l'état, yo se conseiller dans des institutions dans l'état, yo continue à bénéficier l'argent et trésor public là pour renforcer bandi, pour renforcer gang, pour continuer avec l'impunité. Donc nous-mêmes et nous dit que nous pour ces institutions qui baillent réponse, mais et avec problème impunité, avec problème insécurité. Mais pour bailler tout, nous besoin femmes avec garçons qui honnêtes, qui capables, qui ont une volonté qui protéger population. Même Jean Mounio et nan position qui est yo a joué des privilèges qu'il y a avec fonction yo gen obligation pour travail dans l'intérêt pour la population pour protéger vie avec bien. Gagné unité lit avocat yo pour restauration yo état de droit en Haïti qui lancé opération yo baptisé bat ténèbres dans tout pays yo dans l'idée pour dire non à insécurité qu'a brassé bil pays yo. Maître France Jules mandé à autorité yo dans l'état pour prendre toute disposition pour capable contrecarrer action en bandi yo, sinon pita pitrice d'après Maître France Jules qui était dans micro tac 509. C'est la vie de tout le monde qui est engagé. C'est la vie de tout le monde qui est menacé. La vie journaliste, la vie avocat, la vie paysan, artisan, vaudouisan. C'est la vie de toute population. Population Kapoufei, population dans la Tibonite, population tout partout, population dans Matissan, population dans Port-au-Prince, population Pétionville, Croix-des-Bouquets et Latrier. C'est la vie de tout le monde qui est menacé. La vie de tout le monde qui est menacé, face avec menace d'armes, menace incendie, face avec kidnapping, face avec séquestration, pillage, incendie, eh bien, nous-mêmes, dans un CD, nous lançons opération bat ténèbres sur tout territoire république là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à partir de lundi, 1er mai, 2 mai, 3 mai, chaque jour, population doit bat ténèbres, matin, midi, soir, pour nous courir, pour nous laver chalbari, des assassins criminels qui ont éliminé la population haïtienne. Dans le but d'éviter une éventuelle guerre civile, le gouvernement a l'impérieuse obligation de prendre des dispositions et de passer les instructions formelles aux forces de la police nationale et aux forces armées de la République pour assurer sans équivoque ni excuse la sécurité de la population et du pays en général. Ceci afin d'empêcher tout dommage collatéraux face aux actions de la population qui retrouvait Jodia en colère. Nous constatons
que la population haïtienne est en colère suite aux diverses frustrations dont elle est victime de la part des bandes armées, des groupes armés, et ceci sous le regard complice et tolérant des autorités établies. 3. Considérant depuis le 29 mars 1987, nous vivons sous l'égide NASA, organisation ancienne des unités d'élite des avocats engagés pour la libération des prisonniers politiques et pour la restauration de l'état des droits en Haïti, mandé population n'en joue qu'à Vignola. Lundi, à partir des 8h du soir, opération Bat-Ténèbres sur tout le territoire république là. Mardi, opération Bat-Ténèbres sur tout le territoire république là. Mercredi, opération Bat-Ténèbres sur tout le territoire république là. Nous pas qu'à quitter criminels, assassins, voyous, des hommes sans foi ni loi, à exercer, eh bien, menace sur peuple haïtien, côté que vous voulez qu'il nous, vous assassinez nous, vous tuez petit nous, vous tuez madame nous, vous assassinez nous. Non, c'est ça. Et nous te disons déjà, et nous prédisons encore, la population haïtienne doit constituer en légitime de défense. Car défendre sa vie est un droit sacré. Loi défendre vie ou défendre petit ou défendre caille ou défendre bien, son droit sacré est lié. Non, c'est ça. Maître Frangil a profité, mandé autorité, yo. Si, il n'y a pas de responsabilité pour établir sécurité sur tout territoire national pays, procéder avec désarmement, et bien c'est eux qui sont responsables de tout mal les pays. Moment arrivé, amis auditeurs, pour nous capables d'aller dans quelques villes, provinces. Mais avant, en nous rappelons quelques informations, nous t'ai déjà bâillé dans quelques villes, provinces, notamment dans Gros-Mont, nous t'ai parlé de opération qui baptisait Bois-Calais côté population dans Gros-Mont. Touye et puis mettez diffé sous de présumés bandits. Et puis après ça, nous t'ai information ça tout. Dans même journée, samedi 29 avril, là, gagné plusieurs habitants dans la commune Cabaret qui étaient prêts à l'arrière dans l'idée pour aller traquer bandits dans la localité sous ce matelas. D'après bilan partiel, gagné 3 mounes qui victimes parmi eux de présumés bandits à qui ont protestataire selon Louis-Baptiste Kazek, premier section Boukassin, commune Cabaret. Gagné plusieurs mounes qui blessés et à recevoir soins qui ont mérité dans yon centre hospitalier. Nous avons toujours été dans la ville provinciale, mais fois ça, nous pralé dans le département nord-ouest pays. Jodi, nous te dire ça, dans le commencement journal, marqué journée agriculture et travail. Responsable agricole et ressources naturelles dans le département nord-ouest pays. Tamen yon tourné dans plusieurs régions pour capable river identifier puis évaluer travail paysan yo dans cadre programme multisectoriel sécurité alimentaire nutritionnel. Directeur départemental agricole nord-ouest là agronome Charite lui t'a parlé dans micro correspondant nous Jepson Petit depuis département nord-ouest pays. C'est pas seulement dans quatre communes dans nord-ouest on a fait sont tourné n'a fait dans tout département de B2N à Moule Saint-Nicolas, de Moule Saint-Nicolas à Jean Abel, de en passant par Bombado Police, nous avons fait de Jean Abel à Bassin Bleu, de Bassin Bleu à Ansafoleur, nous seulement pas arriver la tortue. Après ça, on a visité toute l'autre commune qui est dans le département nord-ouest. Visite ça, c'est pour faire un coup de projecteur sur l'activité et le programme phare ministère actuellement, qui est le programme sécurité alimentaire et nutritionnelle, dans le cadre d'un objectif pour faire un apaisement social. Le gouvernement entamé et projet ça programme ça a été lancé lundi 10 avril. Son programme de 21 milliards de gourdes qui est financé par le FMI à la hauteur de 15 milliards de gourdes, si je ne me trompe pas, et dont le Nord-Ouest bénéficiait environ de 100 millions de gourdes là-dedans. Nous gagnons 12 unités de projet, 12 unités de projet ça y est. Yon a qui secteur, yon a curage canal, curage infrastructure d'irrigation sous périmètre irrigué, yon a route et rural, côté difficulté pour moun passer, et puis yon a conservation de sol, tant que des ravines, des bagailles qui apprennent moun, et yon a des petits programmes, yon a des petits projets à côté, par exemple, yon ti dalo, yon koton kman don rabion, et de côté n'a pas essayé résoudre des problèmes. Mais objectif principal là, programme ça, c'est bay on booster
ba on booster à agriculture, à production nationale là, à production agricole là, pour on gens nous font apaisement de grand goût moun yo, faciliter accès à la sécurité alimentaire, qui accès ça dit mettez l'argent dans mais pour même si yo partage une production mais au moins yo joine l'argent pour yo gain accès à nourriture. C'est en gros objectif programme là, c'est objectif programme là qui a essayé combattre insécurité alimentaire pendant il a boosté production avec programme ça que tu supposé un programme purement et social. C'est ça qui fait l'objectif principal là, c'est apaisement social. Mais le ministère de l'Agriculture, lui-même, dans fonction par là, lui fait route vers la production, vers le désenclavement des zones de production et qui a permis à gagner l'argent dans le pour faciliter l'accès à la nourriture, à l'aliment. Et le ça a permis dans la saison qui a venu. Moun yo respirer. Nan moment pe côté pays d'Haïti a préparé pour yo fêter fête agriculture à quatre travail nan date 1er mai qui donc jodi an mais paysan yo nan département nord-ouest lan pas suspend plein misère y a passé à question sécheresse lan ak élevage libre kap fini ak yo. Paysan si la yo ki mande autorité nan l'état pour voyager gade yo. Paysan yo kan kote kek paysan ki te nan miko correspondant nou nan département nord-ouest paysan chez Norosni pour plus détails. Et moment n'a parlé là paysan yo a traversé une crise qui ameur parce que sécheresse la anti gens non niveau qui dépassé pa gen manger et bœuf a mouri, cabrit a mouri et puis nan niveau il a sacré l'agriculture, ça crase net parce que pas gain de l'eau, la pluie va tomber. Mais qui ça nous fait ou comme responsable et structure que va diriger pour supporter les paysans? Bon normalement ça nous fait et comme responsable nous t'essayer et faire contact nan niveau et ministère et direction départementale de l'agriculture nord-est pour nous dire si nous capable joindre et de médicaments pour nous capable gérer surtout bête. Et ça a beaucoup déjà marché parce que dans le niveau agriculture, on a dit qu'il y a des vaccins qui étaient là pour aider, ça n'a pas marché. Pour nous, là, c'est dans le niveau de Port-au-Prince, on a tant pour être capable d'envoyer des médicaments pour être capable d'avoir des soins pour être capable de. Bon, normalement, en termes de demande, notamment de beaucoup d'autorités centrales, pour être capable de faire une visite dans le niveau section, surtout. Espace qui stocke de l'eau, qui est endommagé, pour regarder comment on peut faire un petit aménagement de côté pour permettre qu'il y ait toujours de l'eau. Je vis un moment difficile. Pas de l'eau, la pluie va tomber, et puis bête même envahit tout ça, nous gagnons là. Parce que bête pas quitté un et nous gagnons. Même les gens qui gardent les bêtes, ils vivent en mauvaise foi. Parce que même les gens qui gardez, il est bête là, rentre dans le jardin là, il fait tant qu'il n'y a pas de aller. Ou sous cap en temps, ou cap à ses misères, ou mettez au dehors, puis faire clôture, pour retirer son gain, malgré le soleil à craser. Mais généralement, les sécheresses là campent comme ça. Qui ça nous compte faire pour nous résister? Bon, qui ça nous compte faire? Tant que si nous sommes près de l'eau, nous avons mouillé le jardin, nous avons toujours un jardin fouet, même pas près de l'eau. Malgré, m'a fait tout effort, m'a fouillé, puis. Bon, chaque fois que j'ai un moment, l'homme a une cobla pour la fouiller, puis après, bon, il a un cobla, il mange. Et ou même si on est malheureux, il n'y a pas de faire un retour, on va continuer parce que ce n'est pas moyen. Et bon, nous-mêmes, face à ce que nous vivons ici, ça est très, 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 très terrible. Parce que dans la situation que nous vivons là, même si on fait jardin, ou un jardin, il n'y a pas utile rien. Ou dépenser comme on fait un paquet de jardin, il n'y a pas utile rien avec ces chaises là, ou pas qu'à trouver rien. Et pendant ce domaine, c'est ça que nous faisons nous vivre, ces cultives-là, avec élevage que nous faisons pour nous vivre. Mais nous n'avons jamais trouvé rien, surtout qu'on y a là, on fait là, on a un jardin qu'on y a là, avec bête, avec élevage libre-là, ou pas capable de bénéficier rien dans le jardin. Avec le changement climatique, ça fait en plantio, ils ne viennent pas qu'à résister à la chaleur qui gagne aujourd'hui. Hein? Surtout nous ne viennent pas pénurie d'eau. En qui gagne dans le département, surtout qu'on y a tout le monde qui te gagne puits, tout puits fin tari, et bien de ce fait, on pas jeune de l'eau exactement pour arroser et plantes qu'on gagne, si c'est puits à la main qu'on gagne, au moins sur un puits qui creusait, avait dit on puits artésien,
presque ou qu'a joindre un petit bloc pour que ou fait un petit arrosage, mais quand même organisation nous chita nous débattre phénomène, nous parler sur phénomène là pour nous qui type de solution nous t'a emporter exactement, mais faute de moyens organisation yo pas permettre que yo même yo aller vers l'avant pour que yo creuser des puits juste pour arroser espace que yo gagné jardin soli. Ça fait jusqu'à maintenant minorité non un système très archaïque pour agriculture en terme jardin. Nous on pas faire parce que pas gagné de l'eau, mais pour élevage et pour élevage lui-même ça a une pire toujours parce que tout lac yo sèche parce que pas gain suivi qui fait pour nettoyer et gain les lacs qui tombent, les alluvions qui plein et lac yo, et puis ça fait nous en difficulté non seulement pas gain manger et puis gain nous en difficulté pour l'eau tout pour bœuf yo. Mais comment nous faire quand même pour que nous permettre animaux yo joindre de l'eau, de joindre manger? Bon, et gain yo nous prendre l'eau dans pompe avec et récipients nous porter pour eux, nous acheter tanker de l'eau porter pour eux, et puis nous aller dans l'autre zone nous acheter côté qui gagne canne parce qu'il pas bon ici par rapport à chez ce qui gagne tant nous yo sablé nous pas gagne de l'eau, et nous aller dans l'autre zone nous acheter canne, nous acheter zeb pour nous porter pour eux, pour nous rester nous sauver. N'a quitté département Nord-Ouest pour nous aller dans département Sud pays d'Haïti avec situation ça qui gagné dans département Sud pays d'Haïti, plus précisément dans zone Torbec. Nous connaît Betio. C'est canet banque paysan yo. Avec Betio, avec jardin que yo gagné, c'est avec yo même qui gagne divers qui gagne petit yo qui dans région métropolitaine dan. Généralement depuis petit yo fini l'école, yo toujours voyé petit yo dans université n'importe où près dans région métropolitaine dan. C'est yo y a payé kay avec bet que yo gagné, y a payé université petit yo avec petit jardin que yo gagné. C'est peut-être ça yo toujours dit, Betio c'est canet banque yo. Nous connaît moi qui saute passé yo te gen yon sécheresse dans divers villes provinces, notamment dans Grandas. Moun sa yo pat suspend lancé SOS pour capable mande autorité yo voyage garder yo. Bet yo ap moui et jardin yo pa ka récolter parce que pa gen glo pou yo rouze jardin yo, pa gen de l'eau pou yo ba bet yo manger, yon situation qui était vraiment difficile. Non, mitan mois d'avril là, t'es gentil la pluie qui est tombée. Malgré ça, autorité compétente, autorité dans la région, dans différentes régions dans le pays d'Haïti, hein, ben t'es quitté paysan au lagé de bois balancé. Sorti dans sécheresse, côté que y a perdu bête yo, y a perdu tija, néon ti sa ote planté. Yo pas qu'à récolter puisque pas gen la pluie, soleil là tellement chaud, li crasé jardin yo, m'a besoin di on dans quelle situation difficile paysan sa yo trouvé yo. Gen en pile qui t'est levé voyo et autorité locale yo nous fait référence avec Kazek Azek yo t'est levé voyo pour te mandé avec responsable d'un pire au niveau dans l'état pour porter au support. C'est paysan yo qui dégagé yo pour capable connait ça pour faire parce que faut que yo paye université petit yo chaque mois yo gen l'argent pour yo payer pour yo voyer bay petit yo pour payer kay pour acheter manger maintenant kala pour acheter feuille pour acheter documents. Nous connaît université dans le pays d'Haïti, c'est un pile l'argent pour gagner. Mais paysans, ça a aucune non situation difficile, eh ben, yo lancé SOS. Sorti dans sécheresse, eh ben, bête paysans, yo a tombé tant qu'on graine la pli, dans zone Tobek, yo commune dans département Sud Pays, à cause maladie charbon. Un pile bœuf déjà mouri, dans circonstance ça, d'après paysans, yo qui rappelait, épidémie, ça apparaît chaque fois, mois, mai, près arrivé. En côté intervention diverses paysans qui tenaient micro correspondant nous depuis ville Okaï, Jovanel Soliman. Oui, principalement zone la Courrière. Quand on a des bœufs qui ont mouru, mais chaque année, mois de mai commencé, maladie charbon a commencé et puis bœuf malheureux a tombé. Et là pour finir jusqu'à ce que mois de novembre arrive, là que nous t'a demandé possibilité, si nous avons des possibilités et nous connaissons le gain, les services nous pour faire ça pour nous, pour être capable de prendre des mesures, des précautions afin que nous puissions sauver une petite tête de bœuf, parce que c'est avec nous qui c'est l'espoir.
pour tout le monde l'école toute qualité bah des bœufs là mourir nous pas rien encore. Dis-nous non mais est-ce que nous déjà fait démarche auprès du ministère et agriculture dans le département sud là pour qu'on ait qui cas qui cause bœuf à mourir. Bon, nous pas faire ça parce que nous connaissons, voilà nous petit gens coûte les limités. C'est nous connaissons celle Radio Méga, Radio Peuple, Radio tout côté lié, automatiquement passer par Radio Méga nous connaissons, et bien la propager dans tout 10 départements. Mm-hmm. Bon, même tous sont citoyens qui vivent dans la commune Torbeck, dis-nous, ou déjà touché par cas et de ça qui a tombé. Bon, je suis dans des nouvelles là, mais seulement d'ailleurs que le ministre prend ou bien instance concernée prend responsabilité afin que les gens les bêtes mourent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les bêtes, ils vont vendre dans le marché et ça peut arriver là pour produire quelques autres maladies. Bon, vraiment, c'est ça qui m'a souhaité écrire. Au moment arrivé pour nous capable mettre un bout à journal là, mais avant nous aller, nous rappelons quelques principales titres nous t'es arrivé développer. Phénomène Bois-Calais a continué à prendre territoire, population sans pitié, habitant dans Gomon, département Latibonite, Touye, Piboulé, de présumés bandits. Samedi 29 avril, individu Sayot a fait partie groupe Kokorat Sanras qui a opéré dans la région. Dans la même journée, ça, il y a plusieurs habitants dans la commune Cabaret qui te prend la rinalité pour attraquer bandits dans la localité sous ce matin-là. D'après bilan passé, il y a 3 mounes qui victimes, parmi eux 2 présumés bandits, avec un protestateur selon Louis Baptiste. Kazak, première section communale à Cabaret. Police nationale d'Haïti a annoncé sous page officielle Facebook yo samedi 29 avril là, yo gagnon drone cap civé village de Dieu à Cassavon Pistache qui trouvé dans 3e circonscription Port-au-Prince. Plusieurs syndicats dans le secteur textile ont annoncé un marche pacifique. Journée lundi 1er mai, en occasion, journée fête agriculture et travail. Objectif marche ça, c'est pour continuer à demander plus bonnes conditions de travail, protection sociale et augmentation salaire. 44 mois après assassinat ancien bâtonnier lord avocat Port-au-Prince sur Maître Montfiguier d'Orval, dossier a toujours traîné dans tiroir la justice d'après DJ Sictissa Nonce d'Orval. Maître Issoui qui a été au fin d'il regrette depuis après désignation juge Martel Jean-Claude, aucun zac instruction pour composer dans le cadre dossier si là. Bête paysan yon ap tombé tant kou grain la pli zone Torbeck yon commune dans département Sid Payan à cause maladie charbon en pile bœuf déjà mouri dans circonstance ça d'après paysan qui rappelé épidémie ça paraît chaque fois moi mais pral rivé. Dès le point enregistrement, l'école yon nan cadre recensement scolaire yon prolongé pour vendredi 12 mai kap vini la. Et puis pour inscription candidat, examen de 9e année fondamentale yon pour 15 mai. D'après un communiqué, ministère éducation nationale formation professionnelle publié nan week-end nan. Dans différents week yon noté fait quelques villes provinces. Après ça, noté gen Jonathan Charles qui te pote pour nous toute information sportive yon. Zami internaute, c'est là nous mettons en bout avec un premier paraître journal Tac Info sous Chanel Paula. Pas oublier nous dire nous sur toutes réseaux sociaux. Abonnez, continuez à partager pour capable pas rater aucune information. Journal ça arrivé possible grâce à Clévé Capé. Toute équipe ça nouvelle là, nous t'ai gagné Josué Belamon qui t'ai fait qui t'ai coordonné puis rédiger journal là. Et bien dans micro pour te porter journal là pour citer moi-même Jean Roulner Sever. N'a dit tout le monde bonne journée avec Attaque 509. Continuez rester, continuez abonner pour capable toujours gagner toute information. Quant à vous-même moi pour joindre demain matin à 6h pour une autre édition de nouvelle. Bonne journée.